Bonjour tout le monde, donc on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo. Donc j'ai plusieurs choses choses à vous dire. Voilà, ce bébé, donc du kit luxe, qui est désormais disponible à l'adoption. Voilà un prix très très doux parce que, donc, comme vous voyez, c'est un bébé qui n'a pas les bras authentiques. C'est-à-dire qu'en fait, ses bras sont issus d'un autre kit puisqu'il y a eu un petit problème en fait à la confection, donc, de ce reborn. Voilà, après, il est en très bon état, il est neuf. Hein, je voulais le garder pour moi et puis, vu mon futur projet de déménagement, je suis dans l'obligation de le mettre à la vente. Voilà, donc comme vous voyez, aujourd'hui il a froid. Voilà, donc il a mis un petit bonnet. Voilà, je vous montre juste le routing. Donc il n'est pas coiffé, mais il a un routing absolument très très bien fait. Voilà, et il viendra avec un très beau trousseau, puisque comme je vous dis, je fais du tri, donc je me débarrasse. Voilà, je voulais aussi vous présenter le petit plus au niveau de ces bébés, de ce bébé, ce sont ses petits pieds. Donc je ne sais pas si on voit très très bien à la caméra, mais j'ai voulu faire un petit effet avec des petits pieds qui pèlent. Voilà, je trouve que c'est très très réussi. Voilà, il est absolument adorable. C'est un tout petit bébé qui fait 45 cm, qui porte du naissance ou du petit un mois. Voilà. Et qui a un teint très très hâlé. Voilà, il est super au niveau du portage. Enfin, moi je l'adore, c'est vraiment un bébé. Le kit m'a beaucoup plu. Et comme celles qui me suivent le savent, il ressemble énormément à mon petit dernier quand il est né. Voilà, donc je mettrai une photo sur Facebook si j'ai l'occasion. Bien sûr, il a une tétine aimantée. Hop, comme tous les bébés qui viennent de ma nurserie, à ne pas abuser bien sûr les tétines, on ne le répétera jamais assez. Il faut absolument que ça reste occasionnel ou lors de photos. Parce que sinon, ça peut éventuellement, à la longue et au fil des années, abîmer la peinture. Voilà. En ce qui concerne les rebornes, je suis en train de faire le routing sur le kit Sally de Bonnie Brown, qui est déjà vendu. Et je vais commencer Mini Ophelia. Donc, en parallèle, qui sera disponible aussi à l'adoption. Et là, je viens de faire le colis pour ma petite miracle que j'ai vendue aussi. Donc, faute de place et besoin de moyens urgents. Voilà, je vais vous mettre à la suite la petite journée d'hier où je suis allée au lac de Saint-Féréol avec Vincent, Luc et Nino, puisque Rudy n'a pas voulu venir, a préféré se reposer à la maison. Il n'était pas très très bien. Donc vous verrez, il y a une petite vidéo assez sympathique et quelques photos. Voilà, de ce petit montage que j'ai fait et que j'ai voulu partager avec vous. Voilà, sinon rien de très très passionnant. Je pense que la prochaine vidéo parlera de carton, de mise en carton, de rangement, de tri. Et puis, il y aura bientôt aussi sur ma page Facebook, donc Dany Chou ou les Babichous de Dany, toujours, de plusieurs articles disponibles à la vente, c'est-à-dire des vêtements pour bébé. Et j'attends donc début octobre, il devait venir début septembre, mais finalement j'ai dû repousser. Début octobre, un seul et unique bébé que je vais garder pour ma collection personnelle. Donc voilà, ce sera une surprise et il y aura une opening box donc d'ici début octobre, mais je pense qu'on se retrouvera avant. Voilà, donc.
J'ai pas mal de papier à faire, j'ai pas mal de cartons à faire, du rangement, ainsi que pas mal de procédures administratives. Voilà, donc si vous voyez pas de vidéo, ne vous inquiétez pas, je vais très bien. Je ne peux aller que mieux. Voilà, donc je vous laisse avec la petite vidéo d'hier. Je vous embrasse, je vous fais de gros bisous et n'hésitez surtout pas à liker cette vidéo et à partager si vous le souhaitez. Bisous les abonnés! Tu veux?